Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très particulière puisque je vais reproduire un maquillage que un de mes abonnés et amis Instagram a bien voulu me dessiner. Et elle est très spéciale cette vidéo parce que je suis en live sur TikTok. Vous voyez? Vous allez tous vous voir. Je suis en live sur TikTok. Donc il y aura peut-être des réponses à des questions de gens sur TikTok. Et du coup, je vais en profiter et ça va être beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir des personnes qui me regardent en même temps. Donc, je leur ai dit de m'excuser parce que je vais vous regarder, mais vous, il va falloir m'excuser parce que je vais regarder souvent mon téléphone. Et mon téléphone va me servir à avoir quelques petites questions. Donc, je mettrai la photo qui m'a dessinée ici et je vais essayer de reproduire ce petit maquillage. Qui est très coloré, mais du coup qui me ressemble. Donc comme vous voyez, j'ai fait mon teint, mais je l'ai fait sur TikTok avec les gens de TikTok. Et voilà, donc comme ça on gagne du temps et je peux répondre facilement. Je peux répondre facilement aux questions et en même temps faire mon maquillage. Alors le maquillage, donc vous avez pu voir, c'est très coloré. Et pour ça, pour que ça ressorte vraiment très coloré, je vais utiliser une base de fard à paupières blanche pour commencer à créer mes formes. C'est des formes très arrondies sur son maquillage et je trouvais l'idée hyper belle puisque ça fait une sorte de fleur sur l'œil et je trouvais ça très joli. Et comme vous avez pu voir, l'eyeliner lui sera rouge. Donc je suppose que ce sera un rouge pétant et je vais peut-être faire un rouge pailleté. Donc je commence avec ma base de fard à paupières blanche et je l'applique en arrondi sur l'intérieur de l'œil. Pour commencer, et on va faire plein de petites formes rondes comme ça, vous voyez. Alors, donc je vais commencer par le vert, voilà ce vert-là, sur mon début de forme qui est dans mon coin interne. Et je veux absolument que la forme reste droite. Donc oui, ça fera une forme très délimitée là, mais je veux vraiment que ça fasse comme sur la photo. Et que ça fasse des sortes de petites vagues ou de petits pétales de fleurs. C'est vraiment ce que je veux et je trouvais l'idée géniale. Je trouvais l'idée très très cool même. Ensuite, je commence par faire la deuxième couleur. Alors, Laura Italienne. Donc Laura Italienne, je précise, c'est ma cousine. Quand est-ce que tu vas faire une vidéo où tu maquilles quelqu'un? Je l'ai déjà fait Laura, mais pour un maquillage artistique. Et ma chérie, t'as déjà été maquillée, mais c'est avec plaisir que tu viens à la maison pour que je te maquille. Mais oui, je compte le faire. Ce serait même drôle que je maquille mon copain, mais bon. Oui, c'était pour un photoshoot, on est d'accord, on est d'accord. C'était avec Clara et c'était pour un photoshoot, donc oui. Je peux faire, j'aimerais bien faire un maquillage beauté, donc si tu te proposes comme modèle, c'est avec plaisir. De toute façon, tu sais très bien que j'aime bien te maquiller, donc. C'est avec grand plaisir, j'ai vu que tu faisais des tutos maquillage avec ton frère. Donc. En deuxième couleur, je vais mettre celui-là. Ici. Hop, donc celui-là. Je veux vraiment qu'il paraisse flashy, hein, le maquillage. Et on pose tout à plat, parce que comme je l'ai dit, je veux que ce soit vraiment quelque chose de très délimité. Donc là, ce que je fais, c'est que je dégrade mes couleurs entre le vert et le bleu pour pas qu'il y ait une grosse délimitation. Sinon, c'est bizarre que en haut ce soit net, ça me paraît logique parce que c'est la forme que j'ai décidée. Mais que ce soit net en bas, je veux pas trop. Et du coup, pour ça, je prends mes pinceaux et j'alterne les pinceaux. Ah, de la Guadeloupe, c'est trop bien! Alors, WhatsApp 63, si tu regardes ma vidéo YouTube. Tu viens de Guadeloupe, il fait beau. Enfin, moi ici j'ai déjà froid, tu vois, j'ai un pull. Il fait déjà super froid. Donc je sais pas quel temps il fait chez vous, mais. Ah, ça me fait trop plaisir de la Guadeloupe. Alors, Sprit DZR, donc Brandon, hein, mon ami. Tu penses essayer les maquillages FX, genre les full face, tout ça. C'est pas que j'ai essayé, c'est que je sais le faire, puisque j'ai été à l'école de maquillage. Donc si vous ne savez pas, j'ai fait une école de maquillage et j'ai fait toutes les options. Beauté, théâtre, body painting et effets spéciaux. Et je sais le faire, c'est juste que le matériel coûte très cher.
Donc, et j'ai pas de magasin des fixes ici, hein. Je suis dans un tout petit village paumé dans le nord de la France. Avant, j'étais sur Paris, enfin en région parisienne. Oh, merci, c'est gentil! WhatsApp 63 qui me dit très belle. C'est trop gentil, merci beaucoup. C'est trop gentil. Oh là là, je pensais pas avoir des petits messages comme ça, je suis trop contente. Alors ensuite, donc je disais, je vais attaquer avec ce bleu-là, qui est juste là. Alors, hop. Ouais, ce sera plus simple à fondre et après le violet, il viendra compléter la panoplie. Et au moins le dégradé sera pas embêtant à faire. Et je vais finir par le violet. Et en dessous, je ferai jaune, orange, rouge. Comme ça, les deux dernières couleurs se fondront bien. Là, ce que je fais, c'est que je dégrade le bleu foncé avec, avec le turquoise, hein. J'ai pas précisé, mais... Ah! Bah voilà. Les filles, je suis tombée! Donc là, j'ai mis ma dernière pour le haut. Hein, c'est ma dernière étape pour le haut de mon œil. Et je vais poser un violet. Donc je vais mettre ce violet qui est juste là. Donc en dernière couleur au-dessus de la base blanche là. Donc voilà. Cut crease ou pas cut crease? Pour qui? Pour toi? Donc Spritzer, donc Brandon me demande si cut crease ou pas cut crease, mais pour qui? Pour toi ou pour moi? Parce que pour moi, il n'y a pas de cut crease sur ce que tu m'as dessiné. Il y a un eyeliner rouge. Tu te rappelles même plus de ce que tu m'as envoyé. Non, pour toi, une question maquillage, genre, tu préfères ou pas? Histoire d'animer. Oui, c'est gentil, merci. Je fais beaucoup de cut crease. J'aime beaucoup les cut crease parce que je trouve que ça augmente la taille de ma paupière. Donc, j'aime ça. Et bon, on peut être beaucoup triché avec les cut crease, hein, mais bon. Non, j'aime bien cut crease. J'aime bien cut crease. J'aime beaucoup même cut crease. Ce que je préfère faire, c'est cut crease paillettes, bien sûr. Parce que moi et des paillettes, c'est toute une vie. Alors, overline ou pas? Oui. Ah, pourquoi overline? Pour le cut crease ou pour les lèvres? Pour le cut crease, je suis obligée d'overline pour agrandir ma paupière. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets de la base à fard à paupières et j'ouvre les yeux en grand. Et en fait, ça photocopie là où je veux que ça arrive. Et pour les lèvres, non, j'ai une lèvre toute petite. Donc, si. Voilà, donc t'es partie sur les lèvres, c'est bien ce que je pensais. Non, je n'aime pas faire d'overline au niveau de la bouche parce que j'ai une toute petite bouche et que ça se verrait tout de suite. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du lip injection, c'est dur à dire. Du lip injection et je mets ça en guise aussi d'hydratant. Et déjà, ça augmente un peu la taille de ma bouche et je peux faire ma bouche tranquille. Je pense qu'on peut attaquer le bas. Oui. T'as une très bonne idée, Brandon, pour ce maquillage. En tout cas, la caméra, il est vachement graphique et c'est super joli. Archi cute! Alors, je vais attaquer le dessous de l'œil avec du jaune, orange et rouge. Je pense que j'en ferai pas trois, à moins que je finisse avec du bordeaux. Oh, si, donc je pense que je vais faire jaune, orange, rouge, bordeaux pour avoir quatre couleurs comme en haut. Et voilà. Donc, je commence par exactement pareil qu'en haut, je vais appliquer ma base de fard à paupières en faisant des sortes de pétales pour avoir cette forme tout arrondie. Vous entendez le coq ou pas? Désolée, ça me fait rire parce que Brandon, il en a rigolé, mais sur mes vidéos, on entend toujours un coq. Le voisin, il a deux coqs et ils se répondent en fait. C'est chiant. Vous, vous l'entendez parce qu'à chaque fois que je monte, il y a des coqs. L'enflure. À chaque fois que je tourne, il y a des coqs. Voilà. Alors, pour le jaune, hop là, donc j'ai fait ma forme en bas. Il ne se voit pas parce que c'est pas de la base blanche. Pour le jaune, je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre ce jaune-là. J'ai mis le jaune et du coup, je vais attaquer avec du orange maintenant. Et je vais prendre le orange flashy, bien sûr, celui-là. Pour le deuxième pétale en dessous. Donc je vais prendre ce orange-là. Voilà. Je descends assez bas, sinon on ne verra pas la forme arrondie des pétales. Alors, donc j'ai mis l'orange, comme vous pouvez le voir. Et je vais passer au rouge.
Et pour le rouge, je vais prendre celui qui est tout en bas, mais il lui ressemble trop, je trouve. Mais bon, celui-là, là. Donc, je vais prendre ce rouge-là. Ah bah oui, il ressemble au orange, dis donc. Je vais peut-être prendre celui-là, en fait. Ouais. Je vais prendre celui-là parce que l'autre, il ressemble trop au orange. Donc, je vais partir sur celui-là, en fait. Alors, Yamax LS me demande, t'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Moi, j'aimerais savoir quel âge tu penses que j'ai. Voir si tout le monde dit pareil. Brandon, tu dis rien, s'il te plaît. Merci. 19. Alors, Drian aussi, est-ce que tu sais... comment tu le sais que j'ai 32 ans? Parce que oui, effectivement, j'ai 32 ans. 18? 19? Ah ouais, quand même, je fais jeune, hein. J'ai 32 ans, je suis née en 88. Est-ce que je fais vraiment 32 ans ou est-ce que tu m'as entendu le dire tout à l'heure, Brian Ossil? Lol, tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, je savais. Mais sinon, vous me donniez 19, 18 ans? Mais vraiment, tu fais pas du tout 32. Bah, tout le monde me le dit. Vous savez qu'il y a peu de temps, je suis allée acheter des tickets à gratter chez le buraliste. Hein. Et on m'a demandé ma carte d'identité. On m'a demandé ma carte d'identité. Et je fais encore plus jeune quand je suis pas maquillée. Hein. Et oui, on dirait un bébé, je le sais. J'en suis consciente. On me le dit tout le temps. Bon, le bas, je vais devoir le cleaner, je pense, parce qu'il est pas parfait au niveau du... Tu voyais? Mais c'est pas très grave. Yamax LS, courage, en tout cas. T'es magnifique. Oh, merci, c'est trop mignon. Vous allez me faire rougir. Oh, c'est trop chou, merci. Alors, je continue et je fais le dernier. Et le dernier sera bordeaux foncé. Enfin, bordeaux, quoi. Alors, pour la dernière couleur, je vais prendre celui-là, je pense. Le plus foncé qui est tout là-haut. Ah, je suis pas LGBT, non. Je suis pas LGBT. Enfin... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pars du principe que quand on tombe amoureux de quelqu'un. On est d'accord, on tombe amoureux d'une personne et pas d'un genre pour moi. Mais c'est mon avis. Hein. C'est mon avis, hein. On tombe amoureux d'une personne. Donc peu importe que ce soit une fille, un garçon ou autre, c'est la personne qui compte, c'est pas le genre. Enfin, on peut créer la vie sans avoir de rapport, on peut se marier, on peut... À quel moment ça pose un problème à quelqu'un? Moi, c'est ce que je pense. En fait, à me demander ça par rapport aux couleurs du maquillage, parce que les LGBT, c'est arc-en-ciel. C'est en fait une reproduction d'un maquillage. Je sais pas si la miniature, apparemment, elle fonctionne pas. Mais en fait, c'est Spritzer qui est dans les commentaires, qui est mon ami aussi, qui m'a envoyé un modèle Instagram sur son visage. Vous savez, comme on peut faire en dessinant sur une story Instagram, on peut dessiner des choses sur la photo. Et donc, il m'a dessiné un make-up que j'essaye de reproduire à ma façon. Merci, c'est gentil. Laura qui me dit aussi, en tout cas, tu es super jolie. C'est trop... vous êtes trop mignon. Vous êtes trop mignon. C'est trop d'amour. On va cleaner le dessous de cet œil-là. Parce qu'il n'est pas à mon goût. Il n'est pas clean comme j'aimerais qu'il soit clean, en fait. Alors du coup, je clean. Est-ce que vous connaissez Marion Caméléon? Je pense que oui. Si vous aimez un petit peu le maquillage... Et en fait, Marion Caméléon, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'année dernière, elle a reçu une poupée à son effigie. Dans ses stories, elle a apparu. Si ça vous dit quelque chose, sachez que la poupée, c'est moi qui l'ai faite. Ouais, c'est moi qui ai fait la poupée de Marion Caméléon. Et j'étais trop contente quand elle l'a partagée. Je l'aime tellement, cette fille. Elle s'en fout de tout. Elle fait sa vie, elle fait ses make-up, et elle s'en fout. C'est ça que j'aime bien, moi. Alors là, je vais attaquer ma muqueuse. Vu que le reste du maquillage est fait, on va faire la muqueuse. Donc je la fais en noir, comme ça, quand je mettrai des faux cils, ça ressortira mieux. La muqueuse, j'utilise un kohl de chez Kiko. Il est archi bien. Il est crémeux et tout, et ça fait des années que j'utilise le même. Et franchement, je regrette pas, quoi. Il est noir comme il faut. Et je l'adore, quoi. Ah, je me suis abonnée à ton YouTube, merci Laura Victoria 3105, c'est trop gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais tous vous remercier parce que grâce à TikTok et à ma communauté sur TikTok, on a atteint les 100 abonnés, on les a même dépassés. Ça peut être ridicule pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Je pensais même pas arriver à 100, donc voilà. Donc merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et bienvenue au nouveau. Merci, merci, ça me fait trop plaisir. Alors, j'ai mis le kohl, on va passer à l'eyeliner rouge. Toujours Laura,
Tu es une personne apaisante quand tu parles, je kiffe. Oh merci, c'est trop gentil. Vous allez me faire pleurer. Vous êtes trop mignon. Alors, Spritzer. Et vous la connaissez pas personnellement. En privé, elle est encore plus adorable et chelou. Ah non, et chelou. Et chou, pardon, j'ai dit chelou parce que je suis vraiment bizarre. Il a dit chou. Merci Brandon, t'es trop mignon. Et toi aussi t'es chou hein, en privé. Désolée, j'ai dit chelou, mais je suis chelou. Hein. Je suis clairement chelou. Hein. D'ailleurs, dans mon entourage, ce qui revient le plus souvent, c'est est-ce que Laetitia t'a dit que tu étais bizarre? Et les gens ils disent non, pourquoi? Elle dit bah attends, le jour où elle te le dit, c'est qu'elle t'aime beaucoup. Apparemment, j'aime les gens bizarres. Et à chaque fois, je dis ah, t'es bizarre. Et en fait, j'aime les gens bizarres parce qu'ils sont différents, ils sont eux-mêmes. Et c'est ça que j'aime. C'est le fait que les gens soient eux-mêmes. Alors quand les gens me disent « Ah, t'es bizarre !» Je fais « Bah oui, et c'est cool !» C'est très très cool d'être bizarre. Soyez vous-même. Mais pourquoi ça fait ça? Je galère. Hein. On va essayer. Je suis sûre que ça va pas marcher. Je pense que je vais d'abord le faire en blanc et après en rouge. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc je récapitule, faut que je fasse un eyeliner rouge, mais mon produit ne veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pris ma base blanche de chez NYX. Et du coup, je fais une forme de liner. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. À la caméra, on voit bien. Sur TikTok, je ne sais pas. Voilà, bon, maintenant on va recouvrir de rouge. Donc je reprends ma palette Carnival. On va essuyer ça avant, parce que j'en ai sur les cils. Je vais reprendre ma palette Carnival et je vais faire mon eyeliner en rouge. Alors, Laura, tu fais que des vidéos sur YouTube ou TikTok? Sur le maquillage. Sur le maquillage, je fais pas TikTok. TikTok, c'est plus pour m'amuser. C'est plus après le maquillage. Parce que j'arrive pas à gérer les cuts. Je sais, c'est bête, hein, mais tu vois, je suis vieille, hein, au final. Je sais pas très bien gérer les cuts. Je sais pas très bien encore comment ça fonctionne à 100% TikTok. Du coup, j'ai énormément de mal à faire des montages. J'apprends petit à petit, hein, parce que je manipule et je mets en brouillon pour voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est compliqué un peu. Ton make-up est vraiment magnifique. Merci, Koek. Brandon, donc Spritzer, qui me demande projet de mariage ou enfant. Sache que j'ai une date limite. Donc il me reste 3 ans pour me marier et avoir mon premier enfant. Au moins être enceinte. Mais oui, c'est prévu. J'ai pas eu encore la demande, mais... Je ne brusque personne et je sais très bien que mon chéri m'aime, donc je m'inquiète pas parce que même lui de temps en temps il me dit oh, à notre mariage on pourra faire ça, on pourra faire ça, donc je ne m'inquiète pas et je suis très heureuse comme ça. Mais oui, effectivement, on en parle tout le temps parce que d'ici 3 ans j'aimerais bien déjà être mariée et avoir le premier en route. Super beau le make-up, merci. Comment ça se dit ton... l'algérienne? Je suis trop bête, excuse-moi, je suis désolée. Merci l'algérienne 08 qui me dit que mon make-up est trop beau, c'est trop gentil. Pour l'eyeliner, j'ai décidé de prendre celui-là. C'est un rouge de chez Lit Cosmetics et la couleur c'est Sunshine and Lollipop. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle à fossile, enfin de la colle à fossile, pas du tout. C'est que je mets de la base de paillettes sur l'eyeliner rouge que j'ai dessiné. Vous voyez, là. Pour faire ressortir l'eyeliner, ce sera beaucoup. Mais je t'en prie, l'algérienne, je t'en prie. Pour faire ressortir l'eyeliner rouge parce que là j'ai vraiment fait que la base et ensuite je mettrai les petites paillettes que j'ai choisies en duochrome. Donc je tapote et je pose la base de paillettes. Je tapote parce que sinon ça déplace la couleur, hein. C'est pas par plaisir ou parce qu'il faut le faire comme ça, hein. C'est parce que si je fais comme un mouvement de balayage, en fait ça va enlever la couleur qui est en dessous. Donc j'ai pris un peu de paillettes et je vais venir les placer sur l'eyeliner. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Hop.
C'est super beau, les paillettes, rajoute un truc. Bah oui. Oh là là, sublime ton make-up. Merci, c'est trop gentil. Et c'est pas fini, il manque les fossiles. Et merci pour le compliment, Laura Madelot. Alors, prochaine étape, on met du mascara. Quand même. Hop, si vous me connaissez, si tu t'abonnes, tu verras que sur toutes mes vidéos, avant de mettre du mascara, je passe un goupillon qui est propre pour enlever les résidus de produits que j'ai pu faire tomber dans mes cils. Sinon, ça fait des gros pâtés et moi, j'aime pas beaucoup ça. Et pour, du coup, mon mascara, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est du NYX, il est très très bien. L'Algérienne 08, tu ne recourbes pas tes cils? Non, jamais, puisque je mets des faux cils et que j'ai pas trop envie de les couper. Parce que si tu manipules pas très bien le recourbe-cils, tu peux te couper les cils en deux. Et j'ai pas trop envie de perdre mes cils, donc non. Laura Madelot, le plus long make-up en termes de temps que tu as fait? Je pense que c'est un make-up que j'ai dû faire à l'école de maquillage sur du body painting. C'est un corset. Sinon, ma vidéo avec mon ami où je fais un shooting sur YouTube que j'ai mis, où on fait des papillons, était très long parce que j'ai maquillé moi et ma copine. Mais un maquillage seul sur une seule personne, je pense que c'était un body painting que j'ai fait à l'école. Et il était... En plus, j'avais une crise d'asthme ce jour-là, donc j'étais pas très, très en forme. Et j'ai dû sortir plusieurs fois de la salle. Et c'était lors d'un examen. Et il fallait faire un corset sur le dos d'une personne. Et du coup, ça m'a pris du temps parce que sachez que je sais faire du body painting, je sais faire des effets spéciaux, je sais faire du beauté et du théâtre, vu que je suis allée à l'école de maquillage. Toujours l'Algérienne 08, c'est compliqué d'y rentrer. Non, c'est pas compliqué d'y rentrer dans cette école-là, je veux dire, mais il faut avoir 7000 euros. C'est tout. C'est un gros budget, mais il faut avoir 7000 euros. Donc c'est pas compliqué d'y rentrer, c'est juste compliqué d'apprendre. Il faut être rigoureux, il faut accepter tous les stages, peu importe. Et il me dit, je regarde avec ma fille, donc c'est elle je suppose, Cyber Boulanger. Je suis désolée, je vois pas si t'es une fille ou un garçon. Avec ma fille et elle trouve ton maquillage très beau. Merci beaucoup, comment s'appelle ta puce ? Cyber Boulanger, elle s'appelle Nina. C'est trop mignon comme prénom. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait le mascara. Et maintenant, je vais mettre des fossiles. Donc je pense que je vais mettre ces fossiles-là. Et pour ça, je vais utiliser donc ma colle duo noire. Quoique la noire, non, vu que j'ai un eyeliner rouge. Donc je pense que je vais prendre la blanche. Alors l'Algérienne, tu as commencé à te maquiller à quel âge? Très tôt, ma belle, parce que... J'ai commencé à me maquiller très tôt parce que j'ai une maman qui était très 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 coquette. Et quand on allait, alors pas à l'école hein, je précise, à l'école j'ai dû me maquiller à partir de la troisième, quelque chose comme ça. Bonjour Lucas, 60-140, je dis les numéros mais bon voilà, bonjour. J'ai commencé à me maquiller en allant au collège, fin collège, vraiment la fin du collège je pense. Et sinon à me maquiller avec un peu plus d'extravagance, je pense que j'ai... commencé au lycée, à la fin du lycée et ensuite au travail. Je me suis lâchée au travail parce que j'étais adulte et que je faisais ce que je voulais. Sinon, ma mère me maquillait assez fortement pour aller à des repas de famille et à des fêtes. Voilà. Donc Cyber Boulanger, tu y as peut-être déjà répondu, mais tu as déjà fait du maquillage pour la télé? Oui. J'ai maquillé pour ma chaîne sport, j'ai maquillé Ty Chris, le champion de patins et de... Bah de patins, c'est le jeune homme qui a sauté de la tour Eiffel avec ses patins à roulettes. J'ai maquillé Ty Chris et donc ses collaborateurs sur la chaîne. Et j'ai maquillé pour une émission sur France 2 sur la musique. Laura Madelot qui me demande, que penses-tu des fossiles magnétiques? J'en ai et ils tiennent pas sur moi. Par contre, je trouve ça hyper bien comme... Comme alternative aux fossiles normaux, excusez-moi, je prends mon ciseau parce que sinon ça va être trop long, je pense. Je vérifie. Ah non, ils sont pas trop longs. C'est ça que j'aime bien chez Primark, ils sont pas trop longs les fossiles. Les fossiles magnétiques, par contre, j'aime que ceux où l'eyeliner est magnétique. Pas où il y a deux parties qui font en haut, en bas. Voilà. Sinon, je trouve que c'est un très bon concept et voilà, j'aime bien. Tu pourrais sortir en soirée ville ou autre avec ce genre de make-up? Tout à fait, j'allais travailler avec ce genre de make-up, l'Algérienne. J'étais un peu l'attraction de la boutique, mais au moins les clientes n'avaient aucun mal à venir vers moi. Et
Et ça engageait la conversation. Donc, il y en a qui se moquaient de moi, mais mes chefs m'ont toujours encouragée à être moi-même. Laura Madelot qui me demande, ce sont les gens qui font appel à toi pour la télé, etc., où tu dois postuler. Non, c'est grâce à mon école, après j'ai arrêté. Pendant toute mon année scolaire, j'ai fait stage, tous mes stages, donc c'était dans l'audiovisuel, sur les plateaux télé, sur les défilés, dans des écoles de photographie professionnelle, dans des écoles de comédie musicale, dans des associations comme Make-A-Wish ou l'association Marche des maladies rares. Et toutes ces opportunités, je les ai prises. Parce que quand on est en école de maquillage, il faut prendre tous les stages. Tu as des projets pro dans le maquillage? À part ma chaîne YouTube, non. Pas du tout. Un peu de perso, tu veux... Te veux-tu des enfants? Oui, j'aimerais bien en avoir déjà un. Et au meilleur, deux. Et j'aimerais bien une fille et un garçon, sachant que dans ma famille, il y a beaucoup de jumeaux. Et ça a sauté la génération de ma mère, sachant que ça marche comme ça en général. C'est si ta maman n'en a pas eu, toi, tu en auras. Quand t'es dans les familles de jumeaux comme ça. J'ai beaucoup de cousines et de cousins jumeaux, j'ai de petits cousins jumeaux, j'ai voilà, donc j'aimerais bien avoir une fille et un garçon d'un coup, comme ça j'arrête après. Laura Madelot, merci de tes réponses, tu es super cool. Mais je t'en prie, c'est normal, ça me dérange pas. Désolée, je parle pas hein, quand je pose les fossiles, mais c'est de la concentration. C'est concentration ultime de fossiles. Soizic01, tu crois en l'amitié garçon-fille? Tout à fait, j'ai plein d'amis garçons et très très proches d'ailleurs. Et pourtant je suis en couple et tout se passe bien. Et j'ai aucune envie d'aller voir ailleurs et mes amis garçons n'ont aucune envie de me pécho, si je puis dire. Tu as un tatouage? Alors j'en ai 1, 2, 3 et 4. L'Algérienne qui me demande, tu utilises quoi pour pincer tes fossiles? C'est des pinces qui sont dans les magasins, t'en trouves partout dans les magasins. C'est des pinces à fossiles tout simplement. Ok, merci, Soizic, mais de rien, je t'en prie. PS, tu es trop belle. Merci, c'est trop mignon. Vous êtes trop chou. L'Algérienne, tu as créé ta chaîne quand? Il y a presque un an. Il y a presque un an. C'est marqué sur ma chaîne. Je suis désolée, je me rappelle plus de la date, mais il y a presque un an. Alors, Lolita Nina. Coucou, tu peux dire bonjour Lola. Bonjour Lola. Tu t'appelles comment? Lolita Nina. Je m'appelle Laetitia. Il n'y en a pas beaucoup qui m'appellent Laetitia, à part mes parents. Et encore, mes parents, des fois, c'est ma chérie Zigoufine. Zigoufine, c'est un truc que mon père, il aime bien dire. Mon chéri m'appelle mon cœur. Mes amis m'appellent Titi ou Letty ou Ticia pour mon frère. Ça dépend. Tu es trop sympa, Titi, mais de rien. Je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir, ma belle. J'essaye d'être comme je suis tout le temps. Bah, J'espère que vous le verrez au fur et à mesure du temps, mais quand je ferai des lives, je ne changerai pas normalement, si tout va bien. Tu es trop cool, Titi. Merci. Quel âge tu as? Ceux qui savent, ne dites rien. Devinez. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, j'aime bien savoir quel âge vous me donnez. 30. C'est pas loin, ma belle. J'ai 32 ans. Depuis tout à l'heure, t'es la seule qui tape bien. 20? What? Depuis tout à l'heure, t'es la seule qui a dit 30 et qui est le plus proche. T'es le plus proche, parce que sinon c'est 18, 19, 20, voilà. Mais oui, j'ai 32. J'ai 32, mais je dois avoir 5 ans dans ma tête. Je suis fan de Disney, de jouets, de Sailor Moon, de manga. Manga un peu moins maintenant. Beaucoup quand j'étais adolescente, mais maintenant non. Un peu moins. Mais je suis restée une petite fille. Je suis... Le pire, je pense que c'est Disney. J'ai une pièce... mon atelier, en fait, là où je fabrique des choses, sont consacrés à Disney. Donc, il y a toutes mes figurines. En plus de mes figurines, il y a toutes mes peluches. Ou presque, parce que j'ai une grosse partie des peluches qui est là. Et voilà. Tu fais jeune? Oui, il paraît, oui. Il paraît que je fais jeune. Et j'ai toujours fait très jeune, à part quand j'étais adolescente, où je faisais plus vieille, par contre. C'est beau ton maquillage, tu es pro. J'ai fait une école de maquillage professionnel, donc oui, j'ai un diplôme. So, alors je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. So Fiancer, ça sert à quoi de faire ce que tu fais? Ça sert juste à m'épanouir et à m'amuser, tu vois. Laura Madelot, quelle est ta marque de make-up préférée? Too Faced. Too Faced, et je me dirige très lentement
dans les palettes Beauty Bay parce qu'elles sont trop bien. Les Beauty Bay, j'adore. Be Perfect encore plus. Mais Absolue, Absolue, c'est Too Faced. J'adore cette marque. Junono, mis à part Guenièvre, dans Kaamelott, quel est ton personnage préféré? Est-ce que vous vous doutez de ce que je vais dire? C'est Perceval. Perceval, il me tue de rire à chaque fois. Pégard des bras! C'est la phrase préférée de mon copain. Ramadlo, t'es très nature, ça fait plaisir. Ouais, je me prends pas la tête. Je me suis trop pris la tête pendant plusieurs années. Donc, non. Je me prends plus la... Et puis j'ai été éduquée comme ça. Mon papa était à cheval sur l'éducation. À aucun moment il nous a frappé. Aucun. Il a jamais eu besoin. Il nous a tellement bien élevés qu'il a jamais eu besoin. Mais il est très nature aussi. Il dit des blagues tout le temps. Il se prend pas la tête. S'il a envie de dire un truc, il le dit. Et du coup, je suis pareil. Et ça fait rire. D'ailleurs, les premières fois, ça avait intrigué mon copain. Parce qu'il fait, ouais, tu dis ça devant ton père. Mais mon père, il dit la même chose et il me fait rire avec ça. Donc oui, je suis très nature. Je me prends pas la tête. Tu gères grave en make-up. Alors, c'est compliqué à dire ton nom. Mais c'est Aljax BLK. BLQ, pardon. Tu gères grave ton make-up. Merci beaucoup. Douce Marine. Bonjour, Douce Marine. Donc, Douce Marine m'a écrit coucou, ma belle. Bonjour. Ton maquillage, waouh. Merci, Douce Marine. C'est trop gentil. C'est un maquillage qui m'a été proposé par Spritzer, qui est aussi sur TikTok, qui s'appelle Brandon, qui est devenu mon ami grâce à TikTok. Et il m'a fait un croquis. Vous savez, c'est à la mode en ce moment. De faire des croquis de maquillage sur une photo à nous pour défier les maquilleurs de le reproduire. Et ben il m'a fait exactement ça et du coup j'essaye de faire ce qu'il m'a montré. Sarah, bonjour, tu vas bien? Ça va et toi Sarah? Comment tu vas Sarah? Alors Tatiana, je viens de regarder un peu ta chaîne. Tes maquillages sont ouf, dommage que tu sois pas aussi reco. Ah, reconnue pour ton talent. Ouais, mais franchement, je force rien, ma belle. Tu sais, Tatiana, j'essaie de pas trop forcer. Ça viendra quand ça viendra. Et si ça vient pas, tant pis, moi au moins je m'amuse. Douce Marine, c'est dingue. Tu es tellement douée. Merci. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Oh là là, j'ai trop de compliments. Vous êtes trop mignon. Sarah. Oui, ça va super. Beau ton maquillage. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que t'es dans le maquillage. Alors, j'étais en école de maquillage de 2013 à 2014. Avant, je maquillais par passion. Je me maquillais moi par passion et mes copines. Et j'ai décidé que, comme j'avais perdu mon travail parce qu'il y a eu un dépôt de bilan de la part de ma société, j'allais demander une subvention pour aller en école de maquillage et faire ma passion. C'est mieux qu'un filtre. Je devrais le faire en filtre, en fait. C'est très joli. Merci. Merci, Tatiana. Véronique, très jolie. Merci, Véronique. Inès, trop beau tes yeux, les couleurs, merci. Inès, c'est pas un lunchline derrière toi. Si, je l'ai reçu hier, Inès. C'est les 70 ans de Cendrillon aux États-Unis. Ils ont sorti celui-là. En France, je l'ai pas trouvé, du coup, j'ai dû le commander sur eBay. Mais oui, tout à fait, à l'œil. Si je passe dans une vidéo make-up, c'est ma femme qui va rigoler. Mais pourquoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, je donne ton pseudo, tu sais, c'est pas grave. Hein. C'est quoi ton prénom, Drianne Ossil? Je sais, du coup, je veux savoir. Fan de Kaamelott. Juno, fan de Kaamelott, de maquillage Disney. Et en plus d'être jolie, mais tu es parfaite, ma pauvre. Oh, ma parole, pardon. C'est trop gentil. Je suis pas parfaite, loin de là. Loin de là. Je ne suis pas du tout parfaite. Au contraire, j'ai un caractère de merde. Je suis une cancer. Je sais pas si vous connaissez les cancers, mais c'est mignon. Mais en même temps, si ça s'énerve, ça s'énerve. Ça s'énerve vraiment. J'essaie de maquiller ma femme la dernière fois, un carnage sinon c'est Adrien, enchanté Adrien. Du coup, si ça passe sur YouTube, madame la femme d'Adrien, j'aimerais bien voir ce qu'il a fait sur vous, s'il vous plaît. Je veux voir le résultat du maquillage. Est-ce qu'il est bien celui-là? Oh, attendez, je vais mettre mon nouveau Jeffree Star. Je l'ai pas essayé encore. Oh là là, la bonne idée. La bonne idée. Elina du 16, tu vas bien? Tu es belle. Merci beaucoup, Elina. Oui, ça va, et toi? Comment tu vas? Tatiana, waouh, l'highlighter a l'air vraiment, vraiment pas mal. Oui, c'est Jeffree Star, c'est le Frost. Il était en promotion pendant quelques semaines, là. Et du coup, j'en ai profité.
et il est ouf à la caméra. Je sais pas si vous voyez quelque chose, vous. Ah oh, ouais, il est trop beau. Ah, oh, je suis trop contente. Ouais, moi j'en mets aussi sur mon nez. Hein. Colline, t'es trop belle. Merci beaucoup, Colline. Laurine, coucou Laurine. Laurine 013. Elina Ducesse qui me dit magnifique. Merci ma belle, c'est trop gentil. Lilipa, tu es dans les meilleurs lives. Merci, c'est gentil. C'est génial, merci beaucoup. Dans le mille qui est ma filleule. Coucou ma chérie, grave belle. Merci ma chérie. Laurine 013, waouh. Merci. J'ai pas fini, hein. J'ai fait que la moitié de ma bouche, n'importe quoi. Lona 01, c'est trop beau ça, merci. Sarah BRH 213, trop beau le maquillage, tu es vraiment douée, merci beaucoup. Colline 063, et trop bien coiffée aussi, ah, merci c'est gentil. Mlissav, je sais pas comment tu dis ton nom, Mlissav, ça fait vraiment bien, merci. Tamatea TA8. Deux, je suis désolée, tu es trop belle. Merci ma belle. Lynn Combrac 4, j'adore ton maquillage, merci beaucoup. Sarah BRH 213, tu es magnifique, super bien fait. Super bien fait le maquillage, merci. Junono, oui, du bleu, oui, le bleu il est trop bien. Trop beau les yeux, j'adore, merci. Mickey 666, ou Mikey, 600, ou Mikey d'ailleurs, je sais pas. Mais merci beaucoup. Tatiana, les rouges à lèvres de chez NYX sont bien, oui. Les liquid sweat sont incroyablement bien. Je travaillais avec et ils tenaient toute la journée. Drian aussi, donc c'est Adrien. Je crois que je vais faire le même maquillage sur ma femme. Et je veux voir Adrien, s'il te plaît, montre-moi. Et voilà le résultat. Franchement, je viens de passer un moment incroyable avec vous. C'était un truc de ouf. Enfin, c'est la première fois que je faisais un live TikTok et c'était super agréable. Je pense en faire plus souvent maintenant. Et donc voilà le résultat du maquillage. Donc je vous remettrai la photo du modèle ici. Et voilà, je vous montre de plus près. J'espère qu'il vous plaît et n'hésitez pas à me donner plein d'idées pour les prochaines fois. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !